Allez, ça va maintenant. Portugais, si tu as fini de dire ce que tu avais à dire, tu peux partir. Et puis arrête de te frotter à ma femme. Parce que sinon, je vais oublier ce que tu as fait pour mon fils. Mais enfin, ne réagis pas comme un animal. Tu ne te rends pas compte que... Toi, tu te tais, je n'écoute pas les traîtres. Écoute, Jean de Dieu. Tu sais que cette famille doit énormément de choses à Gaëtan. Et si tu ne le comprends pas, ou si tu es trop mesquin pour le comprendre, c'est le moment pour toi de quitter cette maison. Mais non, je ne pars pas. Je ne pars pas, et s'il veut qu'on s'explique, eh bien on va s'expliquer une bonne fois pour toutes. Calme-toi, Jean de Dieu, calme-toi. Ça suffit maintenant, Jean de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Mais si ce monsieur ne s'en va pas tout de suite, ça va très mal se passer. Écoute un peu, Jean de Dieu, tu as beau être mon frère et tout ce que tu veux, mais ici, dans cette maison, la personne qui décide qui reste et qui part, c'est moi. Ah bon? Alors ça veut dire que c'est moi le méchant dans cette histoire? J'ai élevé la fille de ce Portugais pendant plus de 20 ans et maintenant c'est moi le méchant? Mais c'est pas vrai! Quoi? Eh bien, alors arrête d'assumer cette responsabilité. Et dis-moi une bonne fois pour toutes qui est ma fille. Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe, Gaëtan? Qu'est-ce qu'il se passe? Tu veux que je te dise qui est ta fille? Oui. Ne fais pas ça, Jean de Dieu. Tu vois, ça ne va pas. Je savais que ça n'allait pas. Je vais le dire. Douce. Oui, je vais le dire. Marie-Joseph. Écoute, Portugais. Tu veux savoir qui est ta fille? Eh bien, je vais te le dire. Ta fille, c'est... Lâche-moi! Ta fille, c'est... Non! Non. C'est moi qui vais le lui dire. Tabata! Votre fille, monsieur Gaëtan. Votre fille, c'est moi. Quoi? Ne cherchez plus, la fille que vous avez toujours voulu trouver, c'est moi. Oh, David, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Mais je t'ai déjà donné un médicament, mon amour, et tu as encore beaucoup de fièvre. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, mon ange? Ah, oh, grand-mère, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Oh, ça va, mon ange? Oh, mon chéri. Non, non, attends, je vais te mettre ici. Oh, je vais te mettre ici, dans ton lit. Tu vas m'attendre sagement pendant que je me dépêche d'aller chercher de l'aide, hein? Oui, mon chéri, il faut que je t'emmène à l'hôpital parce que là... Oh. Oh, mon Dieu. Oh, le pauvre chéri, il est brûlant de fièvre. Et pourquoi il s'est arrêté de pleurer? Qu'est-ce qui t'arrive? David, qu'est-ce que tu as? David! Oh. Oh non, oh mon Dieu, non, non, David va mourir. Au secours! Rodolfo! Célina! Oh, mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive, David? Qu'est-ce que tu as, mon chéri? Oh mon Dieu! Célina! Rodolfo! Aidez-moi! Mais qu'est-ce que tu dis, Tabata? La vérité, maman. Je l'ai fait pour toi, pour ceux qui sont ici et pour ceux qui ne sont pas là. Ay, non. Oh, je vais tomber dans les pommes. Mais qu'est-ce que... Tu sais très bien, tu ne peux pas dire ça. Tu as raison, Trinidad. J'ai quand même le droit de savoir la vérité. Gaëtan, non. Parle, ma fille. Parle. Moi, je suis cette vérité que vous avez toujours cherchée, monsieur Gaëtan. Je suis votre fille. Je suis née un peu foncée de peau, mais je suis votre fille. Et cet enfant qui est ici, c'est votre petit-fils. Quoi? Non. Hé, hey, Trinidad, Trinidad. Trinidad. Mamie. Trinidad. Mon Dieu. Mon Dieu. David a beaucoup de fièvre et moi, je sais pas quoi faire.
Ça va, mon amour? Qu'est-ce que tu as, mon chéri? Aïe! Non, 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 non! Au secours! Au secours! Oh, Célina! Rodolfo! Allez! C'est ça la vie que tu as toujours voulu, Miguel Aristigueta, hein? C'est pour ça que tu t'es acheté ce bateau. Pour vivre sur la mer. Et voyager, voyager, voyager. Hein? Et je me suis trahi moi-même. J'ai renoncé à mes rêves pour la famille, pour remplir le vide que mon frère avait laissé dans la maison et dans l'entreprise. Et tout ça pour quoi faire? Pour que je me fasse virer par Rodolfo. Elle a eu un malaise. Tonia, tu peux aller chercher de l'alcool? Merci. Oui, j'y vais. Mais ça va, calme-toi. Garde ton calme, parce que sinon toi aussi tu vas t'évanouir. Je pense que nous devrions l'emmener à l'hôpital, et tout de suite. Non, elle n'ira pas à l'hôpital. C'est hors de question. Et toi tu t'en vas. Parce que sinon celui qui va aller à l'hôpital, c'est toi. J'ai dû le dire. C'était la seule façon de sauver ma sœur. Mais tu es folle, Tabata. Tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire ou quoi? Maman, mon papy c'est mon grand-père et pas ce monsieur-là. Je parlerai après avec toi, mon amour, d'accord? Va dans ta chambre. Je vais apporter ça à Trinidad. Aïe, monsieur Gaëtan, écoutez, Non, je t'en prie. Non, je t'assure que tu n'as rien à me dire. C'est plutôt moi qui dois te parler. La vérité, c'est que j'ai répété plein de discours en attendant ce moment. Et l'espèce de brute de portugais que je suis a tout oublié et je ne sais plus quoi dire. Juste que... j'aimerais tellement te prendre... dans mes bras. Tu veux bien prendre ton papa dans tes bras? Tu veux? Bien sûr que je peux. Ah, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai mal. Repose-toi, Trinidad. Repose-toi, ça va passer. Mamie, tu vas bien? Oui, elle va bien. Regarde, elle a repris des couleurs, ça va? Oui. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, mon Dieu, j'étais en train de rêver à quelque chose d'horrible. Oui, genre de Dieu, tu allais dire aux Portugais toute la vérité sur Barbarita, et puis Tabata arrive et elle lui dit que c'est elle sa fille, tu imagines? Oh. Parfois, on rêve de ces conneries. Hein, Tonia? Reste tranquille, Trini, d'accord? Ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas rêvé. Oh non, s'il vous plaît, dites-moi que c'était un rêve. Dites-moi que c'était un rêve, je vous en prie. Tu ne peux pas savoir combien de fois j'ai rêvé. De cet instant si précieux. Monsieur Gaëtan, ne vous mettez pas dans cet état. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Non, tu n'as strictement rien à me dire, ma petite fille chérie. Si tu me vois triste, eh bien, c'est à cause de la solitude. Bien sûr, il y a de la joie, mais il y a aussi un peu de honte. Moi aussi, j'ai honte de tout ça, je vous assure.
Et j'espère que vous aussi, vous pourrez un jour me pardonner. Mais qu'est-ce que je devrais te pardonner? C'est plutôt toi qui dois me pardonner. Pour toutes ces années où j'étais absent. Mon Dieu, je peux pas dire la vérité à ce monsieur, je vais le détruire. Oh mon Dieu, pardonne-moi cet énorme mensonge, ok? Tu sais que c'était pour la bonne cause. Oh mais franchement Isabelle, comment est-ce que tu peux me réveiller à cette heure-ci? Et tout ça pour une simple fièvre? Écoute, donne-lui, je ne sais pas, une aspirine et voilà, c'est bon. Oh, s'il vous plaît, Madame Emma. Regardez, David a beaucoup de fièvre et je suis très inquiète, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin que vous m'emmeniez à l'hôpital, s'il vous plaît. Mais enfin, tu peux très bien réveiller ton mari, non? C'est pour ça que tu t'es mariée, non? Écoutez, Madame Emma, mon mari, mon époux, Rodolfo, n'est pas là. Il est sorti. S'il vous plaît, je attends, vous en prie. Attends un peu. La seule chose que je peux faire pour toi, c'est t'appeler un taxi. Parce que moi, à cette heure-ci, je ne sors pas. Oh, s'il vous plaît, je vous en prie, s'il vous plaît, Madame Emma, je vous en supplie. C'est votre petit-fils, faites un effort. Restez là et ne bougez pas, Monsieur Gaëtan. Comme ça, je vous prépare tout de suite une très bonne infusion. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourvu qu'il n'arrive rien au père de Barbarita. Alors, comment vous sentez-vous, monsieur? Je suis très heureux, mon vieux. Même si je ne te pardonne pas. Mais j'ai bien compris qu'en ne disant rien, tu faisais tout pour protéger ma fille. Comment va Trinidad? Ça va. Ça va. Tabata, tu vas me rendre service. Tu vas tout de suite dire la vérité au portugais. Vas-y. Vous voulez du sucre, monsieur Gaëtan? Un peu, un tout petit peu, merci. J'ai déjà essayé, mais j'y arrive pas. Vas-y. Je suis très heureux, mon vieux, tu sais. Je suis en train de vivre le jour le plus merveilleux de ma vie. Écoutez, écoutez, patron. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Il faut que je vous dise... J'espère que vous allez aimer. Tu sais, si ça vient de ma fille, ça peut être n'importe quoi, j'aimerais toujours. Et arrête de me dire monsieur Gaëtan. Dis-moi père ou papa. Écoutez, patron, écoutez. Ne m'interromps pas, d'accord? Je suis en train de parler avec Tabata. Non, mais ça suffit, écoutez... arrête, laisse-moi parler. Je veux te faire une proposition, écoute. Et surtout, ne le prends pas mal. Mais je pense que tu devrais venir avec moi et avec mon petit-fils dans ma maison pour y vivre. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, avec vous, je vais nulle part, portugais. Et ne m'appelez pas petit-fils, parce que mon grand-père, c'est Jean de Dieu, c'est pas vous. Rodolfo, s'il te plaît, pars. Valentina ne peut pas te voir ici. Mais quel est le problème, puisque je suis son oncle, hein? Tu sais que nous avons tous une morale assez flexible, tout reste en famille. Rodolfo, c'est pas le moment de faire de l'ironie. On parlera un autre jour, allez, va-t'en. Je veux pas parler avec toi, tout ce que je veux, c'est te prendre encore une fois comme un sauvage, allez. Rodolfo, tu es fou, Rodolfo. D'accord, fais ça avec tes cheveux, hein. Fais ça avec tes cheveux, allez. Allez, va-t'en. Allez. D'accord, salut. Et n'oublie pas qu'on n'a pas fini de parler. Je vais lui dire bonsoir, vite fait. Non, Rodolfo, s'il te plaît. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Pourquoi t'es à côté de la porte? Mon amour, c'est parce que j'avais oublié de fermer la porte et d'éteindre les lumières. Et puis regarde, j'ai fait tomber ça. Et voilà, c'est bon. Ah, tu sais quoi? J'ai une idée. Tu as gagné. Parce que cette nuit, nous allons dormir ensemble. On va se faire des câlins toutes les deux. Allez, vas-y. C'est génial! Ah mon Dieu! Mais qu'est-ce qui m'arrive avec Rodolfo? Je ne peux pas me permettre ça! Viens ici, gamin. Je m'appelle Grégory. Arrêtez de m'appeler gamin. Parce que je suis pas n'importe quel gamin et vous n'êtes pas mon grand-père. Eh bien, dites donc, il a le même caractère que sa grand-mère. Tu sais, je comprends que les choses ne soient pas faciles. Il faut les prendre avec calme et l'une après l'autre. Les choses ne se font pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? Allez, top là! Je crois qu'il ne veut pas. Oh mon Dieu, Tonia, ce n'est pas possible. Tabata est devenue folle. Mais Trinidad, écoute, calme-toi, calme-toi. On va vite trouver une façon de sortir de cette embrouille, tu vas voir. Jean de Dieu a raison, tu sais.
Il ne manquerait plus que tu tombes malade. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Il y a que je vais pas partir. Je vais nulle part, mamie. Ma mère est devenue folle, elle veut que j'aille à la maison du Portugais. Quoi, ta maman, quoi? Elle va aller s'installer dans la maison du Portugais qui pue la morue. Arrête, Jean de Dieu, je t'en prie. Grégory, mon amour, ne t'inquiète pas. Parce que ta mamie ne te permettra pas que tu partes. Je te promets que je vais remettre les choses au point. Je sais pas ce qu'il a, docteur. Il n'était jamais tombé aussi malade. Infirmière, s'il vous plaît. Non. Calmez-vous, je madame, l'emmène. Calmez-vous. Je vais l'examiner et après je vous appelle. L'infirmière va vous demander quelques renseignements. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas entrer. Vos noms et adresses, s'il vous plaît. Vous vous appelez? Madame? Barbarita Blanco. Comment as-tu dit? Mon bel enfant, tu vas te comporter comme un petit prince. Et tu vas tout prendre avec beaucoup de noblesse, d'accord? Personne ne te fera partir de cette maison. Tu me le promets, mamie? Bien sûr que je te le promets. Ce qu'il se passe, c'est qu'on est tous dans cette embrouille parce qu'il faut protéger ta tante Barbarita. Elle court un grave danger, mon fils, et tu le sais, ça. Bien sûr qu'il le sait, Trini. Si Grégory a bien quelque chose, c'est un énorme cerveau et il comprend parfaitement tout ce qui se passe ici. Et ce qui se passe, c'est que ta maman vient de compliquer encore un peu plus les choses en disant un mensonge. Oui, mais je vais régler ça tout de suite. Parce que Tabata n'est pas la fille de Gaëtan et vous ne partirez pas de cette maison. Trini, attends un peu, Trini. Ne fais pas ça, ne lui dis pas la vérité. C'est un mensonge énorme, c'est une folie, c'est vrai, mais c'est ce qu'il y avait de mieux à faire, du moins pour le moment. Et si c'est pour sauver ma tante Barbarita, comptez sur moi, mamie. Et vous aussi, papy, parce que je sais que ce Wilfried est très méchant. Trini, ne dis pas la vérité. Il ne faut surtout pas que tu reviennes sur le mensonge que Tabata vient de faire. Parce que si jamais tu fais ça, il va falloir dire toute la vérité aux Portugais, que Barbarita est sa vraie fille. Et si tu fais ça, alors soit Barbarita va se faire tuer par Wilfried, soit elle va finir en prison. Alors ça, c'est marrant. Moi aussi, je m'appelle Barbarita. Barbarita Bermudez. Ah, oui, j'ai dit ça parce que je suis perturbée, Madame Emma. Parce que, eh bien, j'ai vu son prénom et son uniforme blanc et ça m'est sorti tout seul. En ce moment, je pense pas à autre chose que David. Oui, bien sûr, et malgré ça, David est malade. Je m'appelle Isabelle Vélez. Veuillez m'excuser. D'accord, c'est noté. Épouse Aristigueta. Où est-ce que tu as oublié ça aussi? Jean? Oui? Pourquoi tu vas pas voir comment il va, Grégory? Vas-y. Je crois qu'il va falloir donner un peu plus de temps à ton fils. Parce que si c'est difficile pour nous, j'imagine que c'est pire pour lui, non? Et c'est pour ça que j'aimerais que vous veniez tous les deux chez moi. Je pense que ce serait bien de faire un peu d'intégration familiale, tu comprends? Pour qu'on puisse se connaître. Ce n'est pas possible. Parce que ni ma fille, ni mon petit-fils ne sortiront de cette maison. C'est bizarre, cette erreur. Très bizarre. Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir en tête, cette paysanne et ce petit voyou de Rodolfo? Grand-mère, oh, protège-moi. Efface mon nom de la mémoire de cette femme. Mais d'abord, je t'en supplie, Sainte Barbara, guéris mon David. Fais que ça ne soit pas trop grave et qu'il me le rende rapidement. Je pense que nous sommes tous un peu énervés et que nous devrions nous calmer, Trinidad. Mais comment est-ce que tu veux que je reste calme, Gaëtan? Comment tu veux que je reste stoïque devant ce désastre? Trinidad, ce que je suis en train de proposer, c'est simplement que... Enfin, que Tabata et le gamin viennent avec moi parce que... Chez moi, ils seront plus à l'aise. Elle pourra avoir sa propre chambre. Et toi, tu n'aimerais pas avoir une très grande chambre pour toi tout seul, gamin? Pardon, monsieur Grégory. Moi, je reste avec ma grand-mère portugaise. Alors ne faites pas le malin parce que j'y vais pas. Oui, ne crois pas que tu vas l'acheter avec ta maison. Mais c'est pas mon intention. Mon intention, c'est que nous soyons tous unis, comme la grande famille que nous sommes. Mais quelle famille? Oh mon Dieu, c'est pas possible! Quelle famille? Je ne supporte plus cette comédie, Tabata. Oh, c'est bon, ça va, Trini, ça va. Ah, mais il faut pas se mettre dans un état pareil, voyons. Mon père a raison. Lui comme mon père, et moi comme sa fille, nous avons maintenant l'opportunité de nous connaître et de former une famille. Maman, tu sais très bien que ça nous donnerait plus de tranquillité. Bon alors,
Tabata est ta fille. Et si elle veut partir, eh bien qu'elle parte. Qu'elle parte. Mais en revanche, mon petit-fils ne sort pas de cette maison. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Comment vous pouvez imaginer que Tabata parte avec... Arrête de crier. Ça va, c'est bon. C'est bon, Florence, c'est bon. C'est bon. Tabata et Gaëtan ont raison. Mais je suis aussi d'accord avec Jean de Dieu. Grégory reste ici avec moi et je ne veux plus entendre parler de ça. Oh non, non, c'est pas possible, j'en ai marre d'attendre. Écoute, s'il ne le ramène pas, moi je m'en vais. Je déteste les hôpitaux. Tu te rends compte? Je ne suis pas restée à l'hôpital avec Raimundo, alors il n'y a absolument aucune raison que je reste ici. Je m'en vais. Ne vous en faites pas, Madame Emma. Rentrez chez vous et moi je reste ici et je rentrerai toute seule avec David. Bon d'accord, j'attends encore 5 minutes. Vous savez quoi, chère Madame Emma? Des fois, je pense que vous n'aimez pas David. Oui, parce que malgré les examens d'ADN qui ont été faits, vous n'avez jamais voulu accepter que David soit le fils de Rodolfo. Vous devriez apprendre à l'aimer, vous savez, parce que David est de votre sang. Autant ou plus qu'Estella, Miguel ou Raimundo. Sois le bienvenu dans ta nouvelle vie, Miguel de Aristigueta. Je te félicite. Tu as perdu ta maison, la femme que tu aimes, et aussi ta fille. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, monsieur, mais j'ai vu que la lumière de votre bateau était allumée et je me suis dit que vous pourriez me dépanner d'un peu d'essence. Oui, je peux vous en donner un peu. Ou plutôt, vous savez quoi, je pense que je me trouve dans la même situation que vous et je pense qu'il me manque à moi aussi un petit peu de cette essence que vous avez devant vous. Vous aussi, vous êtes mal à cause d'une femme, c'est ça? T'es folle ou quoi? Tu as vu l'heure qu'il est? Non, c'est toi qui es folle si tu penses que je vais te laisser toute seule avec un drame aussi grave qu'il en a à pleurer de la vie elle-même. Estella, je ne veux plus en parler de ça, d'accord? Alors va te coucher. Non, 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 je ne veux pas me coucher. Tu as besoin de parler, tu en as besoin. En plus, moi aussi, j'ai beaucoup de choses à te dire et tu ne t'en iras pas, tu restes ici. Et puis, je sais très bien que tu ne pourras pas dormir toute seule après la brutale rupture que tu as eue avec Tête de Hérisson, alors je reste avec toi. Ok. Mais avant, j'ai quelque chose à te dire. Bon... J'ai décidé de rester avec Ray, j'ai bien réfléchi et maintenant j'ai envie de rester et de l'aider. C'est ce que j'ai de mieux à faire. J'arrête avec Climaco, j'oublie tout, dès maintenant et pour toujours. Tu sais, Climaco, si tu veux tuer tes souvenirs avec Viviana, il va falloir que tu te tues toi-même. Il va falloir que tu t'en ailles, que tu deviennes quelqu'un d'autre, parce que si tu continues à être toi-même, tu resteras toujours accroché à cette fille, alors que celui qui est là-haut t'a dit qu'elle n'était pas pour toi. Hé, mec, un autre, mais un double. Alors ça, c'est super, j'arrive pas à le croire. Tu es celui qu'il me faut. C'est à moi que tu parles? Bien sûr que c'est à toi, beau Bazané. Tu es celui que je cherche. T'es parfait. C'est toi qu'il me faut dans le clip que je vais faire pour mon nouveau CD. Oh, génial! Enchantée. Je m'appelle Jessica. Et c'est Jessie pour mes amis. Et comment s'appelle mon top modèle?
J'ai tout perdu. Tout. C'est vrai, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma fille. La femme que j'aime ne m'aime plus. Non ? Ouais, moi aussi je connais très bien ce genre d'histoire, mon vieux. Tu sais pourquoi ? Parce qu'une femme, ça veut dire des ennuis. Non. Attends, un instant, je n'ai pas encore terminé. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Eh bien, tu disais que tu étais plus ou moins dans la même situation que moi et peut-être encore... encore pire. Comment ça ? Eh bien, puisque tu veux savoir, je vais te raconter. Ce qui m'arrive, c'est que je suis en train de tomber amoureux d'une fille qui ne m'aime pas. Et qui ne peut pas m'aimer parce qu'elle, elle doit aimer un autre. Est-ce que tu me comprends ? C'est clair. Et je te comprends parce que c'est exactement ça, oui. Oui, c'est ça qui est en train de me détruire, c'est ça. Eh bien, notre santé, collègue. Tiens, ma belle. Ah, merci. Il y a du sucre. Oui. Écoute, juste entre nous. Je vais te dire une chose très sincère, tu es en train de prendre un risque énorme et tu vas finir par perdre ton petit hérisson, je te le dis franchement. Estella, j'arriverai jamais à te comprendre. Et c'est pas toi qui m'avais demandé de rester avec Raimundo ? Si, mais depuis j'ai beaucoup réfléchi, ça me pose un problème de conscience. Oh, ça me pose un problème de conscience. C'est n'importe quoi, Estella, et si je suis avec Raimundo, c'est parce que j'ai pris ma décision. Parce que c'est beaucoup mieux comme ça. Ah, mais Viviana, c'est pas vrai! Je t'ai demandé d'aider mon frère, pas de te pourrir la vie, t'es incroyable! Estella, arrête, est-ce que c'est compris? Pourquoi est-ce que tu ne me racontes pas plutôt une de tes histoires, hein? Dis. Oh, ma chérie, ce qui se passe avec mon histoire, c'en est à pleurer de la vie elle-même parce que... quoi qu'elle est peut-être mieux que ton histoire, je te raconte. J'ai une relation avec deux hommes et je crois que je suis amoureuse des deux. C'est vrai ça? Oui. Estella. Oui. Non, tu te rends compte? Comment tu peux sortir avec deux hommes, Estella? Et puis, bon, en plus, tu ne peux pas être amoureuse des deux. Bien. Ce qui se passe, c'est que je suis en plein dilemme, Viviana, parce que dans la vie, on doit se conditionner, tu sais, pour ne pas entrer dans un truc de film, comme le romantisme et l'idéalisme, parce qu'il faut rester pratique. Mais à la fin, chérie, à la fin, on se laisse avoir parce que à la fin, on finit par s'accrocher au plaisir, à la jouissance, on prend son pied. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Estella, je comprends rien à ce que tu dis. Eh bien, qu'à force de chercher un homme avec de l'argent, eh bien, j'ai fini par tomber amoureuse d'un beau noir esclave et très très pauvre. Alors je ne sais pas pourquoi on dit qu'il vaut mieux un mec riche qu'un mec beau. Ça en a pleuré. Et de la vie elle-même. Allez, raconte-moi tout sur toi. Parce que c'est toi qui seras la vedette de mon clip vidéo. En plus, je veux que tu sois sur la couverture de mon CD et on va passer un super moment parce qu'on va faire un tour dans tout le Venezuela. Ça va. Tu t'arrêtes, ça va. Attends un peu, ma belle. Arrête ton char. Qui t'a dit que j'étais top modèle ou acteur ou quelque chose comme ça, hein? Et tu crois que je veux m'embarquer là-dedans? Non, ça ne m'intéresse pas. Ciao. Attends, beau Bazané, de quoi tu as peur, hein? Je sais que tu as le talent nécessaire dont on a besoin et que tu vas bouffer la caméra. Avec ton look sauvage et tes jolis yeux, je suis sûre que tu vas rendre fou toutes les femmes. Non, tu te fais des illusions, ma belle. Écoute, je crois que tu te trompes avec le recrutement des joueurs pour cette sélection. Et ce look sauvage que j'ai, enfin, que tu dis que j'ai, ce sont les restes d'un pauvre type qu'on vient de tuer. Et ses yeux sont devenus aveugles et ne verront plus jamais une femme. Ah, beau Bazané, j'ai comme l'impression qu'on vient de te laisser tomber. Mais bon, ce n'est pas grave, parce que si tu as un cœur à prendre, je le prends immédiatement. Et comme ça, tu commenceras une nouvelle vie. Alors, chiche. Dis, mon vieux. Quoi ? T'as largué les amarres ou quoi? Je crois qu'on navigue là. Ah ben, je sais pas, et toi? Non, alors moi non plus je sais pas. Allez,
Explique-moi tout. J'étais en train de me dire que... que tu aimes une femme, qu'elle t'a aimé, puis que non, qu'elle a dû partir un jour avec un autre. C'est que je l'aime, cette femme, tu sais. Je l'aime, moi, cette femme. Tu devrais la voir une fois, mon pote. Tu sais, cette femme, comment te dire, cette femme est unique. Ah, ouais. Elle a des yeux magnifiques, couleur miel. Tu vois, non? Et de très beaux cheveux, comme ça, à châtain clair, qui mettent bien en valeur son merveilleux visage rond et doux. C'est ça. En fait, c'est comme elle le dit souvent, de la vie elle-même. Tu sais que ma sœur dit exactement ça. Non, et encore, tu sais pas tout, mon pote, c'est un truc de dingue. Elle se met toujours dans des embrouilles incroyables, et après, elle éclate de rire, et la seule chose qu'elle dit après, c'est... s'en est à pleurer. J'ai trop ça, parce que ma sœur, elle le dit aussi, ça. Ah ouais? Et elle a une petite tache ici sur le cou, plus ou moins par là. On dirait que c'est un grain de beauté, et à chaque fois que je le vois, je sais pas comment dire, mais j'ai envie de la bouffer. Attends, un moment. Une petite tache comme celle-ci? Moi, ça y ressemble, on dirait une tache comme ça. Ah non, alors ça, c'est ma sœur. T'es en train de parler de ma sœur, là. Tu as très envie d'appeler Climaco, non? Et toi, d'appeler ton chèque... Oh, non, ton esclave. Excuse-moi, Stella, mais cette histoire avec Climaco me fait mal. Elle me fait très mal. Ah, Vivi, je sais pas pourquoi la vie est toujours comme ça, avec autant d'embrouilles, avec des sales coups et toujours compliqué. Tu sais, après avoir vu ce qui nous est arrivé à toutes les deux, je veux que plus personne ne tombe amoureux de moi, plus jamais, tu comprends? Ouais. Mais tomber amoureuse, c'est génial. Comment faire? Mais non, arrête, c'est pas génial. Tu as pas vu ce pauvre Miguel dans quel état il était quand Isabelle s'est mariée avec Rodolfo? Et toi, Climaco, c'est très dur, et moi, je suis complètement perdue. Ça en est à pleurer, Viviana, ça en est à pleurer. Bon, Estella, bon, je sais ce qu'on va faire pendant un certain temps. Quoi? Pleurer. Arrête. Approche, s'il te plaît. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Je devrais pas te le dire, mais tu es ma copine. Ok. Tu n'as pas pensé que maintenant que tu as laissé un peu de liberté au hérisson, tu l'as peut-être envoyé dans les bras d'une autre? Vivi, et si à cause de ça tu perdais Climaco? Tu y as pensé? Mais c'est vrai, tu dois me croire, je te jure, avec une aussi belle chevelure, ces beaux yeux marrons, et puis cette chevelure naturelle, ce serait parfait. Et en plus, tu pourrais même être dans la pub qu'on doit faire. C'est vrai, parce Quoi? Que cette pub... Qu'est-ce que tu dis? Une pub? Pourquoi, tu travailles dans la pub? Eh bien, non, pas exactement. Je chante des jingles et parfois je fais la voix de quelques autres grandes marques. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai un petit problème dans ce secteur, justement. Et j'avais décidé d'oublier tout ce qui me rappellerait ces mauvais souvenirs. D'accord, mais là, il s'agit d'un budget vraiment énorme. C'est une pub pour Food Market, tu vois? Non. Pour eux, c'est impossible. Figure-toi que j'ai travaillé longtemps chez la concurrence, chez Colossal Funchal. Et peut-être que j'ai pas beaucoup de fric, mais j'ai beaucoup de gratitude et je dois beaucoup à mon ancien patron. Bonsoir, mesdames et messieurs. Maintenant, avec vous, la sensation du moment. Toute la puissance et la sensualité de la parfaite Jessica. Eh bien, beau mec, je respecte ta loyauté, mais mon offre pour le clip reste toujours valable, ok? Alors, si tes poches sont vides et que tu veux un peu d'argent pour mettre dedans, tu m'appelles sans problème, ok? Tiens, cadeau. Ce qui est arrivé au bébé n'est pas grave, c'était une poussée de fièvre. Mais bon, ça arrive parfois avec les bébés. De toute façon, emmenez-le moi demain parce que je voudrais lui faire une tomographie pour écarter toute autre possibilité. Ouais, ne vous en faites pas, docteur. Demain, je vous l'emmène sans faute. Et merci, vous ne savez pas combien je vous remercie. Votre bébé est un vrai champion, madame.
David a de la chance d'avoir une maman si belle et une grand-mère si jeune qui le gâte beaucoup. Parce que vous devez le gâter beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Surtout que ce sale gamin n'a absolument rien de moi. Bonsoir. Rodolfo, comment as-tu su que j'étais ici? Parce qu'un homme respectable sait toujours où sont sa femme et son fils. Ah, bonjour, docteur, ravi de vous voir. Ah, vous êtes le mari, enchanté. Le bébé va bien? Très bien, très bien. Merci beaucoup, je savais qu'il allait bien. Bon, je vous laisse seul pour que vous puissiez converser. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Comment ça va, mon amour? Et comment tu veux que j'aille, hein? J'ai eu peur pour David, il était malade. Il avait beaucoup de fièvre et je ne savais pas comment faire pour venir jusqu'ici. Mais c'est vrai que tu ne t'intéresses pas à ton fils. Si, je m'y intéresse. Tu aurais pu m'appeler sur mon portable, mais tu l'as pas fait. Mais ça va, c'est pas important, je suis là. Et je suis tellement intéressé par toi et mon fils que je suis venu accompagné par un ami. Comment ça va, Isabelle, hein? Un instant, mon pote, on se calme. Non, 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 je suis le pote de personne. Non, 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 non. Un moment, parce que moi, je ne vous connais pas. Et comme je ne vous connais pas, je ne veux pas non plus que vous connaissiez ma sœur. On est d'accord? Mais je la connais déjà, votre sœur, mon vieux, je la connais déjà. Et le pire, c'est, vous savez ce que c'est? Le pire, c'est que je suis en train de tomber amoureux d'Estella. Quoi? Quoi? C'est comme ça, mon pote. J'aime votre sœur telle qu'elle est. Je l'aime très sincèrement, je vous promets que c'est vrai. Et vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure? Que j'étais tombé amoureux d'une femme exceptionnelle? Eh bien, voilà ce que ça veut dire, que je suis incapable de dire quoi que ce soit de mauvais sur votre sœur. Non, non, c'est non, vrai. Attendez un moment, un moment. Arrêtez de ça. Si vous osez dire quelque chose de mauvais... Si vous osez dire quelque chose de moche sur ma sœur Estella, regardez. C'est là-bas, là-bas, là, c'est là que vous allez finir, au milieu de l'océan. Non, écoutez, mon vieux, j'aime votre sœur, mais je l'aime sans aucun espoir. Vous voyez, je l'aime, mais... Mais de loin. En fait, je l'ai même pas touché, j'ai même pas touché un cheveu de votre sœur. C'est vrai, et vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que mon patron aime votre sœur. Et elle, elle est pour mon patron. Quoi? Quoi? Rodolfo, dis-moi une chose. On peut savoir qui est ce nouvel ami qui est maintenant si proche de nous tous? Non, 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 pas de nous, d'Isabelle, maman. Tu sais que j'ai des ennemis et... Bon, c'est vrai que je risque parfois ma vie, mais pas celle de ma femme et de mon fils. Alors si tu le veux, je peux lui payer des heures supplémentaires pour qu'il te protège aussi. Will, je te présente ma maman. Enchantée, ma belle dame. Vous savez quoi? Moi, j'ai une grande dette envers votre fils, vous savez. Et c'est pour ça que je suis disposé à donner ma vie pour protéger Isabelle Vélez, vous savez. Attends, mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux, hein? Pourquoi ils sont en train de nous voler nos femmes? Ah, vous dites ça parce que votre patron aussi vous a volé votre femme? Non, 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 c'est pas mon patron. C'est mon frère. Mais ça doit être parce que je lui avais volé la sienne d'abord, tu comprends? Attendez. Je vais vous expliquer. Ce qui se passe, c'est que mon frère était mort, vous comprenez? Vous voulez que je vous dise la vérité, mon vieux? Je comprends rien, mais absolument rien. Mais vous savez quoi? On va trinquer. Détends-toi, mon amour, ça va aller, tout va bien. Il ne s'est rien passé. Excusez-moi, madame Aristigueta, vous pouvez venir un instant, s'il vous plaît? Oui, oui. Ah, maman. Pourquoi tu es comme ça avec moi? Tu crois pas que nous devrions avoir une tendre conversation, comme il y en a entre mère et fils? Rodolfo, il y a une question que je me pose. Qu'est-ce que tu cherches? Parce que je sais que quand tu es câlin, c'est que tu veux obtenir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? De l'argent? Je me suis toujours demandé pourquoi tu me détestes autant. Et depuis toujours. Ça aurait été sympa d'avoir une conversation avec toi, je sais pas, sur les choses de la vie, n'importe quoi. Et ça aurait été beau, ça aurait été normal que tu m'embrasses et que tu me dises que tu es heureuse de me voir vivant. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? C'est évident que tous les deux,
On ne peut seulement parler que d'argent. C'est la seule chose que nous avons en commun, on dirait. Bon, d'accord, Emma, on va parler d'argent. Je veux ma part des entreprises, maman. Alors comme ça, mon petit ange va bien. Oh, mon Dieu, je suis si contente, docteur. Vous pouvez être tranquille. Les examens sont tout à fait normaux. Ah, merci, mon Dieu, merci, mon Dieu, mon amour. Bon, alors, ça va. Je reviens demain avec lui. On peut y aller maintenant? Un moment, s'il vous plaît. Il me manque quelques renseignements pour son dossier médical. Ah. David Aristigueta Vélez. Groupe sanguin O rhésus positif, dis-moi. Groupe sanguin de la mère? AB négatif. Mon trésor. Comment dites-vous? AB négatif. Non, ce n'est pas possible, ça. Si, docteur. AB négatif. Alors, vous n'êtes pas la mère de cet enfant. Mais de quel héritage tu me parles, Rodolfo? Décidément, tu es devenu complètement fou. C'est possible, maman. C'est possible que je sois un peu fou et que j'ai perdu quelques neurones à cause de mes tendances autodestructrices, parce que ma maman ne m'a pas donné assez d'amour quand j'étais petit. Mais il y a des actions de l'entreprise qui m'appartiennent, à moi et à mon fils, et ces actions, je les veux, maman, je les veux tout de suite. Et tu penses que Madame Bernarda va changer son testament? Non, laisse-moi te dire une chose, Rodolfo, il se trouve que ces actions sont au nom de l'enfant. Et la mandataire de toute cette fortune, c'est Isabelle. Et je veux te dire encore une chose, n'attends plus rien de ta grand-mère, parce que Madame Bernarda ne te fait plus confiance. Et moi, j'ai beau chercher, je ne peux absolument rien faire. Alors je suis vraiment désolée, mais tu vas m'excuser. Non, tu vas faire quelque chose, maman, c'est compris? Tu dois te mettre de mon côté et convaincre grand-mère de me donner ses actions, parce que je ne supporte pas que mon argent soit administré par une autre personne, et surtout pas Isabelle, je veux ses actions. Lâche-moi! Tu ne me reparleras plus jamais sur ce ton. Et je n'accepterai plus jamais que tu portes la main sur moi, c'est compris? Si tu tiens tellement à cette fortune, alors vas-y. Va secouer Madame Bernarda. On va voir si elle te donne sa fortune. Et n'oublie pas, tu me respectes. Excusez-moi, mais votre groupe sanguin est incompatible avec celui de l'enfant. Mais écoutez, docteur, ne dites plus rien. David est mon enfant. Madame Aristigueta, l'enfant est O positif et vous êtes AB négatif. C'est impossible que vous soyez la mère de ce bébé. Alors vous me dites la vérité ou vous ne sortez pas d'ici avec l'enfant. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.